Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, nous sommes aujourd'hui sur Naruto Ninja Blazing. J'espère que vous allez bien puisqu'aujourd'hui nous allons faire un petit peu d'invocation sur ce jeu. Nous allons faire uniquement deux multi-invocations parce que bon, les perles malheureusement c'est pas illimité. Et vu que en ce moment je ne joue pas beaucoup à Naruto Blazing, forcément j'ai pas pu faire le stock que j'aurais voulu. Donc du coup on va se faire deux multi-invocations sur ce nouveau Festival Blazing avec un nouveau personnage, le nouveau Guy avec les 8 portes ouverte, il est vraiment beau gosse, en plus de ça il est bon, il est même très très bon, donc du coup écoutez, j'aimerais bien l'obtenir. De toute manière, à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui sort, le but c'est de l'obtenir. Après si on ne l'a pas, et bien en lot de consolation on se prendra le Naruto Rikudo qui fait plaisir, hein, Naruto Rikudo qu'on aime beaucoup à la maison, hein. Et puis je crois qu'il y a voilà Utakata derrière, il y a peut-être d'autres personnages aussi dans le portail que j'ai pas forcément regardé, mais Utakata je prends puisque je crois qu'il est pas loin de d'être full habilité mon Utakata, donc ça commence à être vraiment pas mal. En tout cas, sachez que c'est vrai qu'en ce moment Blazing, j'y joue pas tant que ça parce que il y a le nouveau jeu Naruto sur mobile qui est annoncé, le Naruto X Boruto Ninja Voltage, qui devrait sortir très rapidement puisqu'en fait on peut déjà le télécharger sur le store français de l'Apple Store. On peut le télécharger, malheureusement il y a une maintenance dessus, donc certainement qu'il sera disponible d'ici peut-être une ou deux journées. Va falloir patienter un petit peu, mais dans la semaine il sera disponible et je pense que c'est un jeu qui me conviendra déjà mieux au niveau du gameplay, que je trouve beaucoup plus intéressant. Et puis je sais pas, vu que c'est un nouveau jeu, forcément il y a la hype aussi, et je sais que sur les prochaines semaines je vais beaucoup plus m'investir sur le X Boruto que sur Blazing forcément. En tout cas, on ne délaisse pas ce jeu, on va se faire deux multi, donc il y a des promos, forcément il y a des paliers. Les deux premières multi sont à 40 perles ninja, donc c'est aussi pour ça qu'on peut en faire deux, parce que normalement j'ai assez pour en faire une seule avec 82, mais on va pouvoir en faire deux. On espère du gold, je lance la première. Et comme j'ai dit, ouais, on espère du gold et si possible, pas du fake. Si possible, si on peut éviter le fake, ça serait cool, on va voir. Il y avait Naruto seul déjà, donc Sasuke risque d'arriver en chemin. Et encore, c'est même pas sûr, mais il va arriver. Ça peut être bon comme ça peut rien garantir. Mais en général, quand Sasuke arrive en chemin, je suis plutôt confiant en général. Voyons voir. Ok, j'ai eu raison d'être confiant. 3 gold. 3 gold pour démarrer. Alors attention, parce que dans 3 gold, on peut aussi avoir 3 fakes. Mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que le jeu aujourd'hui, pour la sortie du Naruto X Boruto, ne me trollera pas. Il me sortira pas que des fakes. Et du coup, on va démarrer. Oula, what the fuck, c'est quoi ce bug? Oula. Oula. Eh, monsieur l'arbitre. Ouais, c'est quoi ce... Quoi? J'ai même pas pu... Ah, j'ai eu pain. J'ai eu pain et je l'avais pas. Ok, oh, il y a eu un sacré bug au niveau de... Il n'y a pas eu l'animation. J'ai eu un bon petit bug qui fait pas plaisir. Mais j'ai obtenu pain. Et pain, effectivement, c'était un personnage que je n'avais pas. Mais c'est pas forcément celui que je voulais le plus. Mais bon, en soi, c'est un personnage que je n'avais pas. Donc du coup, je prends... Oh là là. Bon, j'ai eu le Kakashi violet. Ça va, le Kakashi violet. Il est bon. Je sais pas s'il a un limit break, d'ailleurs. C'est possible. Par contre, le Naruto Kyuubi, là. Le Naruto une queue. Comment vous dire que lui je crois que je l'ai déjà en full habilité en fait. Lui je crois que c'est le personnage que j'ai le plus eu depuis le début du jeu. Mais vraiment, hein, c'est ce personnage là, il me colle à la peau, c'est incroyable. On va aller vérifier de suite, mais il me semble que le Naruto Kyuubi, ah ouais non, le Naruto Inke, c'est vraiment le personnage que j'ai le plus. Donc attendez, bon, j'ai pas fait le tri dans ma box, ça c'est un peu le bordel. Il est où ce Naruto? Donc il est là, c'est lui. Donc je l'ai en cost 30, je l'ai full habilité, cost 30, et il va passer en cost 28 du coup, hein, normalement, à moins qu'il ne peut pas baisser plus, mais je pense que si. Luck, voyons voir. Ah non, il baisse pas en dessous, il passe pas à cost 28, c'est dommage. Par contre, on augmente la luck à 70. Oh là là, mais je l'ai eu tellement de fois ce personnage. Je l'ai eu tellement de fois le Naruto. Ah, c'est horrible. Ah lui, c'est horrible. Hein. Incroyable. Ah, ce personnage, il m'aura suivi du début à la fin quand même, c'est ouf, hein. C'est ouf, je sais pas pourquoi il m'aime autant, je sais pas ce que je lui ai fait. Alors autant je l'aime bien aussi, hein, c'est pas le problème, mais quand même, laisse-moi la chance d'obtenir d'autres personnages que j'aurais préféré, comme Naruto Rikudo, Guy 8 portes, j'en sais rien, moi même Utakata la rigueur. Mais bon,
Et apparemment, non, il avait pas envie. Donc bon, tant pis. Eh bien, écoutez, il est l'heure de lancer la deuxième multi-invocation. Bon, du coup, on a eu 3 golds sur la première. Si on peut en avoir au moins une sur la deuxième, ça serait plutôt sympathique. Réponse dans quelques secondes, Jean-Pierre. Est-ce qu'on va invoquer la chatte à Sakura? Eh bien, réponse dans quelques secondes. Il n'y a pas Sasuke au départ. Ok, donc il va arriver certainement en chemin. Je dis bien certainement, parce que je suis sûr qu'il serait même capable de pas venir. Et s'il vient pas, ben c'est la mort. Il va venir, monsieur Sasuke Uchiwa. Eh bien, peux-tu nous amener encore une fois 3 gold? Allez, s'il te plaît. Je ferme les yeux. J'ouvre les yeux. Oh, oulala, une gold. Putain, j'ai cru qu'il y en avait deux. En fait, non, il y en a une seule. Il y en a une seule. Bon. Est-ce que ça sera un doublon? Est-ce que ça sera un bon doublon? Un mauvais doublon? Une fake? Un nouveau personnage? Tantant. Oh putain, Obito. Mais comment ça se fait? C'est passé vite. J'ai même pas eu le temps. Ça va trop vite. Il y a même pas d'animation. Il y a rien. Il y a un problème aujourd'hui. On est d'accord, les potes? Il y a un problème avec les invocations. Normalement, il y a les animations et ça va pas aussi vite. Là, ça va à 300 km/h. Bon, j'ai eu Obito. Obito petit. Obito petit en skill élémental. De la merde. De la belle merde, hein, parce que lui, c'est le personnage, tu le joues jamais. Hein. Lui, vraiment, tu le joues jamais. Hein. Ça a beau être un support, il a beau augmenter l'attaque ou je sais plus ce qu'il fait là avec son Sharingan. Je crois qu'il augmente l'attaque sur les alliés. On va pas le jouer, lui. Hein. On va pas le jouer. Donc, bon, ben là, c'est une fake. Ça, pour moi, c'est une fake. Hein. Ça n'est pas une, mais pour moi, c'est tout comme. Hein. Voilà, là, on est un peu déçus. Autant la première multi-invocation, 3 gold. Bon, allez, un doublon Kakashi, c'est pas mal. Le Pain, je ne l'avais pas. Et bon, le cos 70 sur Naruto une queue, c'est pas ouf. Donc non, on est un peu déçus. Un petit peu beaucoup déçus aujourd'hui. Ouais. Ma vie est nulle sur ce jeu. Ma vie est très nulle. Comment tu veux être motivé à continuer ce jeu quand le jeu, il te donne de la merde? Ou en tout cas, il te donne tout sauf ce que tu veux, en fait. C'est ça le problème. Alors après, on dira que je suis un grand râleur et c'est vrai. C'est vrai que je suis un grand râleur aussi. Mais j'ai jamais, ou très rarement, bon, on va pas dire jamais, mais très rarement, les personnages que je veux sur le bon portail. C'est-à-dire que les personnages que je veux, mais je les ai à chaque fois, mais sur les portails suivants. À part Naruto Rikudo, que j'ai réussi à obtenir, mais bon, il a fallu forcer aussi le destin, puisqu'on est allé au 9e palier, donc heureusement qu'on l'a obtenu. Mais par exemple, le Sasuke Rinnegan, je me souviens que je l'ai pas eu à l'anniversaire des 1 an, je l'ai eu par la suite. Donc bon. C'est pas ouf, quoi. Hein. On n'est pas très content, mais on fera avec. En tout cas, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, bien sûr, vous n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. En tout cas, sachez qu'on va démarrer bientôt Naruto x Boruto Ninja Voltage. Dessus, on va pouvoir créer un clan. Il y aura 30 places. Donc bon, il y en aura approximativement 10 parce que on va se réunir avec les copains youtubeurs. On va se réunir dedans et on va prendre certains d'entre vous. On a déjà quelques noms en tête placés sur les places VIP, j'ai envie de dire, mais il va rester approximativement une vingtaine de places. On vous tiendra au courant de toute manière par rapport à ça, puisque bon, on fera des vidéos, des lives forcément sur le jeu, mais on va essayer de faire en sorte d'avoir un clan vraiment haut niveau, un clan, tu vois, qui va tout péter dans le jeu. On espère vraiment que ça va se réaliser, qu'on arrivera tous à créer une alliance shinobi, mais la plus forte qui ait jamais existé. En tout cas, voilà, on vous tiendra au courant sur ça. Pour Naruto Blazing aujourd'hui, eh bien, on est un petit peu blasé, mais c'est pas grave. On reviendra plus fort. En attendant, eh bien, je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de journée. Je vais vous faire de gros bisous. On n'oublie pas de mettre un max de pouces bleus, bien sûr. N'hésitez pas à me dire ce que vous aussi vous avez obtenu dans ce portail, dans l'espace commentaire. Et puis surtout, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, n'hésitez pas, voilà, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez Twitter, vous avez Snapchat, vous avez Instagram, n'hésitez pas, sachant que là où je suis le plus actif, c'est Twitter. Au final, c'est Twitter. Vous pouvez me rejoindre sur Snapchat aussi. Alors bon, la liste d'amis commence à être pleine, mais vous pouvez me suivre quand même sur Snap et vous pouvez venir parler même si vous n'êtes pas dans ma liste d'amis. Donc en soi, ça change pas grand-chose. Vous pouvez regarder les stories, etc. Donc c'est plutôt cool. Snapchat, voilà, je suis quand même régulièrement actif. Twitter, Instagram aussi, mais pas de messages privés parce que du coup, je réponds pas forcément aux messages privés sur Instagram. C'est juste pour poser quelques photos. Et puis Facebook, j'hésite soit à supprimer ma page ou soit à m'y remettre sérieusement parce qu'actuellement ma page Facebook est complètement laissée à l'abandon et je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent dessus, qui m'envoient beaucoup de messages. Malheureusement, je réponds pas, je les lis quasiment pas et je suis vraiment désolé pour ça. Donc je pense que je vais régler vite fait cette histoire de Facebook. Soit je vais supprimer ma page histoire de me consacrer aux autres réseaux sociaux ou soit je vais m'y remettre à 200%. Voilà, en attendant, bonne fin de journée à tous. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Naruto Ninja Blazing. Ciao tout le monde et à très vite. Gros bisous.
Je sais, c'est gênant, mais j'avais envie de le faire. Voilà.